Les marchandes de rêves, fait avec Philippe Saint-Laurent, mon ami. Alors, voilà 50 ans de collection et 4 ans de travaux forcés, à peu près. Et 550 pages de documents inédits, pour la plupart, d'objets collectionnés petit à petit pendant 50 ans, surtout les marchands de trucs français. Bien moi, je suis collectionneur et je suis marchand de trucs. Je collectionne les marchands de trucs français, tous les catalogues des marchands de trucs français, tous les catalogues des marchands de trucs américains, mondiaux, mais surtout les français. Je me suis attaché aux français. Et ça, c'est le tome 1 qui va de 1740 à 1900. C'est le tome 1. Et ensuite, j'aurai le tome 2 de 1900 à 1950 et le tome 3 de 1950 à nos jours. 6 mois avant de la fin de la rédaction de ce livre, j'ai trouvé des objets qui étaient de l'époque de Rabico. Par exemple, ceux-là, ils sont représentés. C'est la première fois. Ça fait partie des plus anciens. Ça fait partie des plus anciens objets connus. 1740, 1700 à peu près. Et donc, on a découvert ça 6 mois avant. Et on a fait un scoop, parce qu'avec la physique amusante, je vais te montrer quelque chose. Ici, tu vois, ça, c'est l'étui de transport en verre, là, dans lequel on mettait cet objet. Il y en a eu pour les premiers objets. Et ensuite, il n'y en a plus eu. Dans cette collection, dans ce petit coffre, qui n'avait pas été touché depuis le 18e siècle. C'est ça. Il est dans ma collection aujourd'hui. Oui. Et on a découvert ces objets. C'est extraordinaire. Et il y en a plusieurs. Ils étaient ou faits en carton ou en bois. Alors on a aussi là-dedans, on a des choses merveilleuses, des catalogues entièrement reproduits qui n'ont jamais été publiés. Des catalogues complètement reproduits comme celui de Préjean et différents catalogues comme celui-là. Et ça vaut combien, cette petite merveille? Alors, en ce moment, elle est en promotion. C'est en promotion. C'est 90 euros au lieu de 120. Et c'est tout en couleur, comme tu peux le voir. Tiens, je vais te faire défiler. Je vais te faire défiler, si tu veux, le livre comme ça. Je vais te faire défiler pour que tu vois tous les éléments en couleur et tous les objets extraordinaires que l'on a à l'intérieur. C'est tous les objets mythiques. Alors ça, c'est intéressant. Ça, c'est un catalogue unique. J'ai trouvé ça 20 ans avant et ça 20 ans après. En fait, c'est le catalogue, c'est le premier catalogue d'objets dessinés en magie avec leur nom et leur prix. C'est le premier, c'est Aubert qui l'avait fait aux alentours de 1860. Voilà. Et il y a maintenant une antiquité extraordinaire, Monsieur Gilles Majeux, qui est unique en soi. C'est une antiquité, oui, c'est une antiquité. Et quand je l'explique, c'est mieux parce que ça, c'est le premier catalogue avec objets et tout. Non, mais on a découvert en faisant le livre. Oui, parce qu'il y a tous les premiers tours. Ça, c'est les premiers tours avec les premiers marchands de tours, Rabico. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Bah, écoute, je vais me régaler. Je l'ai juste parcouru comme ça, mais moi, la première grande émotion que j'ai eue, c'est quand j'ai découvert la boutique de Maillette à Paris, à l'époque du père Maillette. Mais c'est pas dans le bouquin, ça. Non, non, parce que, attends, là, on en est au tome 1, mais il sera sûrement... Ah ben, de il y a 3 tomes. À 1950, il y a Maillette. Ben il y a oui, Maillette, évidemment. De Père, Caroli et tout ça. Mais quand j'ai vu que ça existait une boutique pour nous, hein, en dehors des moldus, je me suis dit, j'étais comme Harry Potter quand il rentre dans le mur de la station 9¾. Et là, bah, c'est la même chose, mais alors sur 3 tomes, et c'est vraiment, déjà la couverture, elle est top, mais après, bah, tu regardes ça,
tu vois tous les appareils de l'époque, donc en fer blanc décoré main et tout ça, et tu vois toute l'évolution de tous ces marchands de trucs. Il y en a plein que je connais même pas. Je connais voisins, j'en connais d'autres. Regarde ça, le petit truc aux pièces là, qui a évolué. Comus. Tu vois, on est de 1731, il est né à 1807, tu vois, c'est quand même... C'est des trucs, tu peux pas l'inventer, tu vois. Alors, c'était... À l'époque, ils faisaient toutes les fabrications en buis. Enfin, pour moi, ça, ce livre, c'est un bonbon. C'est un bonbon magique pour tous les amoureux de l'histoire des tours et des marchands de trucs. Parce que les marchands de trucs, ils ont quand même vachement fait évoluer... toute l'histoire de la magie. C'était pas là. C'est pas la révélation, n'était pas là. Bon. Voilà. Il a collé les pages à force de les lire. Alors, voilà, c'est ça. C'est la première fois qu'on montre les étuis. On ne savait pas comment étaient présentés au début les tours de physique amusante. Et ça, c'est les étuis. En buis tourné. Ça n'a jamais été présenté, ça n'a jamais été fait, trouvé. Et ça ressemble aux étuis des premiers disques en cire, d'ailleurs. Oui, mais c'est pas l'époque. Mais simplement, ça ressemble, c'est vrai, à des étuis. Ouais. On mettait la physique amusante dans ces étuis, en carton ou en bois. C'est la première fois qu'on... Avec Georges Proust, on en apprend toujours un peu plus. Toujours. Il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. Et on attend vivement le 2 et le 3. Et ça pèse son poids.